J'ai rien dit, je bug. Bon bah. Ah bah j'ai tous mes trucs à vendre, je vais aller vendre ça. Et je l'ai à la pêche. C'est Camille, avec Camilla, je suis en ligne. Pêche, 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 ils sont où? Là. C'est fait, j'ai accepté. Merci pour le guidage, mais je sais pas trop. Il vaut mieux préciser que de chercher. Tu tentes de venir ou pas, Camiria? Bah oui, c'est Julie à la cerise. Pourquoi j'ai été chercher des pêches? J'étais perdu, je suis tombé dans la salle de jeu. Alors si t'es dans la salle de jeu, je sais où t'es. Je croyais que je l'avais vu. Ah bah ouais. Ça a l'air de moins buggé qu'hier, on dirait. Bon bah tant mieux. Bon, on va aller faire la gym. La première pour la pastaga. Tu dois être là, ah oui. Ouais, t'as de quoi t'amuser là. Nat, t'as trouvé quelqu'un qui bricolait? Parce que moi j'ai fait le tour tout à l'heure au démarrage. Oh bah. Tout le monde est là. Allez, on se regroupe. Et t'es classe. Et toujours que des femmes, oui.
viens, la pastaga? T'es où? Elle s'est perdue. Non, ça y est. Allez. Bah, je le vois pas. Il est où le cassette? Voilà. Mort de rire, oui, j'étais perdu. Ma première fois. On va te surveiller. T'es où? À gauche. La pression, ouais. Camiria. Ah non, c'est Yuzu. Je croyais que c'était Camiria, mais non. Non, c'est Yuzu qui a dit j'ai bugué. Non, pas moi. On a tous pensé à toi. Bah, de toute façon, on va bien voir qui est parti, qui reste là. Ah oui, la pauvre, on l'a tous accusé. Bah, de toute façon, on se retrouve ici. Normalement, tout le monde est resté, sauf Yuzu. Je sais que je bug, mais quand même. bah oui. Donc c'est bien ça. Eh ben on attend Yuzu. Maintenant, mon téléphone bug. Ah bah. Mais t'es toujours là? Oui, t'es toujours là. Tu bouges. Et Yuzu, t'es vivante? On s'échauffe, ouais. J'arrive pas à revenir. Ça te met quoi comme message? Ah bah ça y est.
Bah, si c'est que le téléphone qui bug, c'est pas bien grave. Si ta Switch elle fonctionne correctement. Jette-le. Bah attends un peu. C'est pas forcément la période pour changer de téléphone. Enfin, tout ce qui est électronique. Hein. Bon, bah deuxième essai. On n'a pas changé de place. Si tu veux, je t'envoie celui de mon grand-père. Alors, la pastaga, tes premières impressions? Interview à chaud après la première séance d'aérobic. Bravo! Et bon, on va aller prendre un petit café. C'est trop bien, je suis ému. Ouais, tu vois, l'année commence bien. Allez, café.
Et tu vois, un musée, après, c'est ça quand c'est plus une tente. Je cherchais les touches quand même. Pas évident de passer de la PS5 à la Switch. Alors, la plupart du temps, c'est le joystick qui a très peu de fois la touche. Je crois qu'il n'y a que A, essentiellement A, et puis une fois ou deux B, et puis c'est tout. Oh, c'est pas. Un rythme énorme. T'as suivi le chemin? Je paye le café. Je pense que oui. Ok. Et bah tu t'assois où tu veux. Faut que tu t'assoies à table. Soit voilà. Bah, ok. Bah, je vais me mettre avec Nat. Vu qu'on est 5. Et c'est toujours le dernier assis qui paye. Level up, la pasta, ça va vite au début. Hein. Le niveau 18. Merci Yuzu. C'est bien de faire ça. Ouais. Ah bah du coup tu prends au bar. On aurait pu se mettre tous les quatre alors. C'est pour les gestes barrières que tu te mets si loin? Déjà que t'as ton masque. La pochetronne au bar. Bah, elle était au café. Bah ça va recommencer hein. Si tu te rassois, il va te reproposer. Eh mais on va pas dormir cette nuit. Yuzu. J'ai bugué, j'en peux plus. En fait, tu nous as fait croire que tu allais offrir un deuxième café et t'as fait moins quitter. C'est le hibou qui l'a mise à la porte, ouais. Vous avez trop bu, madame. Je vous appelle un hydravion pour rentrer chez vous. Bon, bah, je vais faire ma gelée quand même.
suis reparti à fond de cale, ouais. Alors, collection, je l'ai. Gelée à la cerise. Donc ça y est, j'ai fini les gelées. Ça, c'est cool. Elle est partie pêcher, je suppose. Je l'ai vu courir là. Ah bah tiens, je vais te prendre. Tu dois pas avoir de baguette magique encore. Je dois en avoir deux identiques. Normalement, si j'ai bien. Bah, elles sont où? Baguette, baguette, poisson. Elles sont là. Ouais, j'en ai. Je te la mets sur la plage où on met toujours les trucs. Tu la gardes. Comme ça, tu pourras te faire des... Des tenues. Tu devrais plonger pour voir les créatures marines. Ah oui, comment on fait? T'as une combinaison? Combinaison comme ça. Nat m'a prêté une combi. Ok. Ben moi je vais tenter. D'attraper mon Maerlin. Mon marlin bleu. Ah bah non, il y a du monde. Je vais aller voir. Je surveille. Alors, ça c'est un petit. Un calamar.
Interdiction de prendre un marlin bleu. Hein. Tu prends ce que tu veux, mais pas de marlin bleu. Embête à me donner tout le temps les mêmes. Un poisson ballon. Ah, ça c'est malin ça. Ah, il est plus gros celui-là. Je surveille. Pense à laver la combi avant de la rendre à natte quand même. Oui. Bah surtout si tu fais pipi dedans. Milieu de l'océan. Celui-là, moi j'en veux pas. Prenez-le. C'est une idée pour attirer le marlin. Oui, peut-être. Non, vous en voulez pas? Mort de rire, oui, j'allais dire que je m'étais un peu lâché dans l'océan. C'est toujours pas ça. Sont trop petits ces trucs là. Ah bah ouais. Ça me paraît bien petit. Non, c'est trop petit aussi ça. Je veux un gros. En fait, je te l'offre. Ouais, peut-être mieux, ouais.
Parce que sinon, je sais pas comment tu vas le retrouver. Je sais pas comment me rhabiller. Je m'en fous, je t'ai grillé, ça se voit dans ta liste de jeux. Oh! Non. C'est la bonne taille pourtant. Bon, bah, j'aurais encore essayé. Et la Camiria, on va en prendre un juste à côté. C'est net. Il n'y a même pas de poisson. Oh bah il a mis 3 heures à venir. C'est peut-être bon signe. Non. J'ai eu un poisson ruban cool. Ah bah tant mieux. La pastaga, t'as pris ta baguette? Ah bah non, elle est là. Sur la plage, là où il y avait les fossiles, enfin où il y a les fossiles, les plans. Ah bah il y a la combinaison là-bas qui sèche à côté de la cheminée. Par là, là, là. Je viens de te croiser. Comme ça, tu pourras avoir une tenue. Tu vois, c'est comme ça qu'on fait, nous. On se change comme ça.
Et ça, tu te prépares devant. Devant une armoire. Ça se trouve, tu peux même le faire. Ah bah peut-être pas ici. Mais tu te mets devant une armoire, que t'as chez toi ou dehors. Bah essaye, tiens, viens avec moi. Elle est où mon armoire? Ah bah tu vas peut-être pas avoir accès. Ah bah non, on n'a plus accès. Je l'ai caché. Ou alors faut que tu viennes dans la maison. Allez, vas-y, viens. Je sais pas si on a accès à nos trucs à distance. Bon, coupez vos écrans, j'emmène la pastaga dans ma chambre. Essaye d'ouvrir ça après. Je crois que j'ai pas encore de boutique. Ah bah oui, t'as pas encore de vêtements. Oh bah tu dois bien avoir quelques-uns vêtements quand même, non? Tu t'es perdu? Oui, j'ai eu mon dernier ton. Au ponton. Les thons, c'est que au ponton. Comme les marlins bleus. C'est là. Je pense qu'on va avoir quelques étoiles filantes quand même, non? Il fait super beau. Il y a Néferti qui regarde en l'air de temps en temps. C'est joli. Ah bah du coup, ah bah tiens, je t'avais perdu. Est-ce que t'as essayé d'ouvrir l'armoire?
La prochaine fois, j'ai plus d'appât. Ouais. Bah oui, ça part vite, hein. Ça dit que c'est bien rangé, qu'il y a une tenue d'archéologue, mais c'est tout. Ah ok, bon, tu dois pas avoir accès pour l'instant à ton truc. Parce que l'archéologue, c'est moi. Donc, je dois avoir ça. Hein. Voilà. Dès que tu auras une armoire, dès que tu peux en acheter une ou en fabriquer une, bah, tu pourras mettre tes vêtements dedans. Et puis des vêtements, tu peux en acheter n'importe où, hein. Dans n'importe quelle boutique. Quand tu viendras sur une île, c'est avant 10 h, tu vas dans la boutique et puis tu peux acheter des vêtements. T'as plein de choix. Ça doit coûter cher, puis j'ai un crédit de 98 000 clochettes sniff. Bah oui, c'est vrai qu'au début. Au début, on cherche l'argent, attends. Regarde. C'est du racketage. Au début, on est très pauvre, oui, puis après, tu sais même plus quoi faire de l'argent. Bah, faut faire ses arbres à clochettes tous les jours déjà. Secoue tes arbres, déjà t'as un peu d'argent, tes arbres à clochettes, les cailloux, t'as un caillou qui te donne de l'argent tous les jours. Et puis il y a les navets. Hein. Ah oui, c'est bien, mais ça s'entretient tout ça, non?
Non, toi, Rose. Mais si tu vas pas, moi, c'est pas grave, hein. De toute façon, ça va être arrosé quand il pleut et ça pourrit pas. Comme les fleurs, hein, rien ne pourrit. Hein. C'est pas comme les jeux qui sont vraiment farming. Toi, mes légumes, ils sont là. J'arrose de temps en temps, tu vois, ceux où je sais que qui n'ont pas été arrosés. Mais s'ils sont pas arrosés, c'est pas grave. Hein. Il faut juste les arroser au début, que la première fois où tu les mets. La seule chose, c'est que tu en as moins, tu vois. Lui, il a dû être arrosé qu'une fois. Donc il n'y a qu'une carotte. Les autres, ils ont été arrosés trois fois, donc il y a trois carottes. C'est juste ta productivité qui est moins bonne. Mais de toute façon, une fois que c'est fait, ils pourrissent jamais. Hein, donc, n'y a que les navets qui peuvent pourrir. Donc tu vois, il y a des endroits où j'ai deux tomates, des endroits où j'ai trois tomates, une tomate. C'est parce que je les ai pas arrosés. Mais sinon, ils sont là. Hein. Vois, ceux-là, ils ont pas, je les ai pas arrosés depuis peut-être un mois, quoi. Je les utilise plus. Maintenant, j'utilise que quelques légumes pour les recettes, donc je prends les premiers, je vais jamais au fond. Oh! Ça va, Nat? Je sais pas ce qui est fait avec le lampadaire, là. Elle refait sa gym, toute seule. Je peux pas la décaler. Elle sort son chien, peut-être, le lampadaire. Je mange un gâteau. Après, t'as les fleurs aussi qui rapportent pas mal. Enfin, t'as tout, hein, les légumes, les fleurs, les plats. Mais le mieux, c'est les navets. Hein. T'as toujours la combinaison, vous me laissez pas vos saletés chez moi comme ça. Hein. Oui, mais ça se vend plus. Ça se vend plus cher les navets. Ça sèche, ouais. Mais en fait, les navets, ça change tous les jours. T'as un taux qui est différent. T'as des semaines où c'est très valable, des semaines où c'est moins valable. J'ai acheté dimanche, j'ai acheté pour 200 000 de navets. Et je les ai achetés, je sais plus, 90, quelque chose. Et je les ai revendus 500.
Donc j'ai investi 200 000 et j'ai gagné 1 million, donc j'ai gagné 800 000. Et j'ai acheté ça que parce que bah, j'avais, c'est ce que j'avais sur moi et puis je voulais en acheter pour avoir un plat. Mais après, il faut surveiller régulièrement. Par contre, ça, si tu vas pas régulièrement, c'est pas la peine de faire les navets. Parce que les navets, si tu loupes le jour où ça vaut le coup, c'est foutu, quoi. Tu perds de l'argent. Alors que les autres légumes, tu y vas pas pendant une semaine, tu les récoltes, tu les vends, c'est bon, hein. Donc ça vaut pas le coup si t'as pas vraiment le temps. Non. Si t'as pas le temps de regarder au moins tous les jours. Le mieux c'est deux fois par jour, une fois le matin, une fois l'après-midi. Mais au moins une fois par jour. Donc quand je travaille, je regarde une fois par jour. Après, j'utilise une application qui me dit par rapport à ce qui s'est passé la semaine d'avant. Et les premiers jours de la semaine, ce qui va se passer le reste de la semaine. Donc du coup, je sais quand il va y avoir un pic. Mais sinon, si tu surveilles pas, c'est pas, enfin, ça vaut pas le coup. Quelqu'un pêche? Non, enfin pas moi. Tu vois? Je suis hypoglycémie. En hypoglycémie, donc je peux manger sucré autant que je veux. Je prends pas de poids. Ça a un avantage et un inconvénient. J'avais pas vu ton message, Nat, sur le Discord. Concours de pêche était jusqu'à 18 h. Fait un live ce soir. Coucou. Non, je me suis endormi. Ah, c'était à Diablinthe. C'est bien, Yuzu, tu réponds pour moi. Je vis avec depuis mon enfance, donc avec le temps j'ai appris à gérer. Ouais. J'avais les poches trop pleines, trop de poissons. Et pas de... Non mais il n'y a rien. Pas d'étoiles filantes. Bon, eh ben, il va être minuit. La notif, je l'avais sur mon symbole en fait, et je me suis retrouvé dans ton Discord. Mais je venais de me réveiller. Excellent.
Excellent. Bon, demain, j'espère que j'aurai mon gyroïde. Nat, tu reprends ta combi, sinon monsieur ne va pas être content. Ah bah sinon, je la jette. Je la mets à la poubelle. Et encore, c'est rien. Chez Nat, même si j'ai les poches pleines, je reviens après. Bah la regardez pas à deux, hein. On fait quoi, une prière devant? C'est c'est beau, hein. Bon, qui la reprend? Ah, voilà. Ça y est. Je vous abandonne, je vais au dodo. Bah, c'est ce que je disais, ouais. Eh ben, bonne nuit, Yuzu. À demain. Ouais, de toute façon, on se retrouve demain soir. Hein. À 20h. On fera que ça du Animal Crossing demain. C'est le vrai soir normalement. Donc on fera ça. J'essayerai de faire un petit peu de DLC. Je voudrais terminer au moins une des deux maisons que j'ai faites. J'ai commencé ce soir en faisant de la coloc. Et puis. J'espère que j'aurai mon gyroïde. Et puis commencer à faire un peu de déco aussi ici. Et j'ai même pas la moitié des poissons ni des insectes. Oui, mais pour faire tes. Pour faire les modèles, parce que t'en veux 4 de chaque. T'en veux un pour le musée et 3 pour le modèle. Donc forcément c'est long. Ouais. Et puis ça on peut même pas s'entraider pour ça. Donc la gym. Ah bah tiens, qu'est-ce que j'ai récupéré encore? Ah oui, les poissons. Il me reste plus que la gym. Donc café, c'est fini. 37, ah oui, encore 13. On n'a pas fini d'en faire de la gym. Non, juste 3 pour les modèles. Il me manque que 4 poissons et 2 insectes pour le musée, ok. Demain, viens le matin chez moi si tu veux. Ok. Il reste qui? Moi je pars, ok. Bah ouais, c'est long.
Moi, c'est tous les plans. J'aimerais bien voir tous les plans. Après, tous les trucs, c'est impossible d'avoir. Parce qu'il y a. Il y a quand même. 5865 objets. C'est énorme, quoi. Mais bah, terminer le musée, oui, ça, forcément. Il y a combien? 80 insectes, 80 poissons, 43 œuvres d'art, 40 créatures marines. Après, les mimiques, j'aimerais bien aussi, parce qu'il n'y en a que 88, ça a pas l'air bien compliqué à faire. Et les plans, pourquoi pas? Mais les objets. Certains objets, oui, de collection, les trucs estivaux, etc. J'essaye de tous les avoir, mais le reste, non. Parce que, enfin, quasiment 6000 trucs à collectionner, c'est trop. Mais si je pouvais avoir tous les plans, j'aimerais bien. Il y en a 924. C'est déjà pas mal de faire quelques collections. Ouais, bah déjà le musée, ça me paraît le minimum, quoi. Le musée, c'est bien. Bon, t'as pas mis le sweat dans ma chambre? Non, ça va. ...924 plans, oui. Et j'en ai 765. Je crois que Camiria, elle est pareille. Elle était dans les mêmes ordres de grandeur. Matteo. Mais qu'est-ce qu'il me veut, Matteo? En fait, comme je suis jamais à la maison, ils viennent que quand j'arrête, quoi. Vas-y, donne-moi ton cadeau. Vas-y, moi je devais dire que c'est plus petit. Un château de sable en plus, je m'en fous, j'ai déjà. J'avais dit plus petit. Allez. J'en ai 647. Ah ouais, un petit peu moins. Vous êtes tarés. Eh oh, oh, oh.